Dans cette vidéo, je vais vous partager l'une des extensions Chrome les plus utiles à utiliser sur ChatGPT. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on a l'impression qu'on peut poser toutes les questions du monde à ChatGPT, il aura toujours une réponse. Mais si on lui pose des questions en rapport avec l'actualité, donc typiquement avec ce qui s'est passé il y a 3 jours en arrière, eh bien, il ne saura pas vous répondre. Pourquoi ? Parce que ChatGPT n'est pas connecté à Internet. En fait, ChatGPT, c'est une immense base de connaissances, mais qui a été figé fin 2021 environ. Je n'ai pas exactement la date. Et donc, du coup, tous les événements après qu'elle a été figée, eh bien, il n'aura pas la réponse. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas extrêmement pratique pour certaines recherches. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager une extension qui va permettre de, entre guillemets, connecter ChatGPT à Internet pour avoir plus de résultats. Et vous allez voir qu'il y a certains usages très pratiques qu'on peut faire avec cette extension. Et si vous avez envie d'avoir des cas concrets de comment utiliser l'intelligence artificielle au service de votre business, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque fois qu'il y a des nouveaux outils, des nouveaux cas concrets, eh bien, je vais faire une vidéo. Donc, on passe maintenant derrière mon écran et je vous montre cette extension qui est très pratique. L'extension qu'on va utiliser s'appelle WebChatGPT. C'est une extension qui est gratuite. On voit qu'elle a été beaucoup téléchargée ces derniers temps. Elle est vraiment assez utile. On va voir qu'on va pas forcément l'utiliser pour toutes les recherches, toutes les questions qu'on va poser à ChatGPT. Il faut savoir qu'elle fonctionne avec le web, le Chrome Web Store. Donc, en gros, tous les navigateurs qui utilisent le moteur Chrome qui est Chromium pourront utiliser cette extension. Donc, on va se rendre sur ChatGPT. Si vous avez des questions par rapport à comment utiliser ChatGPT, j'ai une vidéo sur le sujet. J'ai même une vidéo qui explique comment affiner, comment avoir des meilleurs résultats en posant des bonnes questions à ChatGPT. Donc, on va aller dessus. On va cliquer donc OpenAI ou bien mettre tout simplement ChatGPT. Vous allez ici et vous cliquez ici. Voilà, là, je suis connecté. Et on peut voir que là, pour le moment, donc là, je peux lui poser des questions. Je n'ai rien qui s'affiche. Je vais aller ici. Je vais cliquer sur Ajouter à Chrome. J'ajoute l'extension, donc elle va apparaître ici. Et regardez, magique, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une barre de recherche qui a apparu. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on peut l'activer et la désactiver. Pour certaines recherches, ça n'aura pas de sens, certaines questions, ça n'aura pas de sens d'utiliser, même d'ailleurs pour la plupart des questions, je n'utilise pas cette extension. Mais on va prendre un exemple concret. Donc typiquement, je sais qu'un exemple marquant pour la Coupe du Monde qui a eu lieu il n'y a pas longtemps au Qatar, eh bien ChatGPT était déjà déconnecté d'Internet. Donc si je lui pose la question sans activer ça, qui a gagné la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on va voir qu'est-ce qu'il répond. Voilà, donc à côté de la plaque, littéralement, hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui auraient voulu ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne dit pas qu'il a pas les bonnes infos, mais bref. Ok, on va maintenant activer ça. On va lui reposer la même question. Et là, regardez bien ce qui va se passer. En fait, il y a quelque chose qui va apparaître là, c'est que cette extension va aller en fait rechercher sur Google différents résultats. Donc, elle va se baser sur Google et donc sur les dernières… Donc, ça veut dire que ce qu'elle va mettre là, si c'est faux parce que les recherches de Google ne sont pas les bonnes, eh bien, ça va poser problème. Mais alors, on est en train de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, il a fait une recherche automatique. OK. Et là, ChatGPT répond à cette première recherche et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, si je copie ça, on va voir que c'est tout simplement un résultat de Google. Ok, donc il a été chercher ça. Donc il a pris combien de résultats? 1, 2 et 3. On voit les sources. Ok, 3 résultats. Et là, en fait, on voit donc que avec ces 3 résultats, il va faire une sorte de résumé. ChatGPT sait très bien faire les résumés et il va nous donner donc les informations selon les résultats 1 et de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été remportée par l'équipe d'Argentine. La finale a vu l'Argentine battre la France après un match nul 3-3. Donc voilà, là, on a des informations qui sont précises et on voit qu'elle était recherchée sur Internet. 3 résultats. Et c'est là qu'on se dit, ah ok, 3 résultats. En fait, vous allez pouvoir, par exemple, si on lui demande une question et qu'on lui dit, va chercher un résultat sur Internet. Peut-être que le résultat qu'il va trouver sur Google ne sera pas un bon résultat, parce que sur Google, tout n'est pas forcément juste. Plus on va chercher de résultats, plus il va y avoir d'infos ici. Donc, admettons s'il y a 5 résultats, il y en a 2 qui sont faux, 2 qui sont faux, 3 qui sont vrais, donc 5 résultats en tout, eh bien, il aura tendance à plus s'appuyer sur les 3 qui sont vrais, que ça va donner plus de poids. Donc, j'ai envie de dire que plus on cherche de résultats, potentiellement, plus la réponse que va apporter ChatGPT va être juste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire?
l'extension va aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 résultats, va les donner à ChatGPT. ChatGPT va analyser ça, ok? Et avec sa base de données gigantesque, il va répondre. C'est un peu comme si, ça on pourrait le faire manuellement, on pourrait lui dire ChatGPT, il faut savoir que, ou alors on pourrait, regardez comment on pourrait faire ça. C'est la même chose, hein. Par exemple, qui a gagné la Coupe du Monde 2022, ok? On prend un article, ok? Donc là, est-ce qu'il, bon, pour autant qu'il ait répondu évidemment. Coupe du Monde, à la fin, c'est le Qatar qui gagne. Alors là, ça va être intéressant. On va prendre ça. Ok. Regardez, on va faire un nouveau chat. Et on va... Alors, selon cet article, qui a gagné la Coupe du Monde 2022. Et là, je copie l'article. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose qu'avec l'extension, seulement il va prendre en compte que cet article-là. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. J'ai pas lu cet article, hein. Ok, donc là, ça a l'air d'être bon. Il a l'air de répondre juste. Donc, je vais juste réactualiser la page pour avoir, voilà. Ça, donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Cette extension, elle va aller chercher des résultats sur Internet et ça va mélanger ça avec ChatGPT. On va maintenant prendre un autre exemple avec un résultat typiquement de Google. On va lui demander quelle est la meilleure boucherie à Paris. 5 résultats, surprise, on va voir ce que ça donne. Donc là, il nous a sorti, voilà, sur 5 résultats, il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir quelle est la meilleure boucherie à Paris, cela dépend des préférences personnelles. Alors là, il nous donne les sources. Donc c'est bien parce qu'il est quand même assez objectif, il explique qu'en gros qu'il faut faire attention, ça va dépendre des goûts personnels. Là, on a donc la source 1, nous disait quoi? Maison Véro. Voilà, donc on peut voir que le fait qu'il soit connecté à Internet, il va pouvoir nous donner des réponses plus précises pour certaines recherches, mais il y aura toujours voilà, une sorte de petit biais en fonction des résultats et des questions que vous allez poser. Typiquement, je prends mon exemple, j'ai différentes formations sur Internet. Je pense que si je pose la question à ChatGPT de quelles sont mes formations, il ne va pas être capable de répondre, probablement, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas connecté à Internet. Mais si je mets sont les formations de Vincent Lévy, par exemple, le fait d'être connecté sur Internet, probablement qu'il va, on va voir ce que ça va donner. Bon, voilà, c'est intéressant, il a été sur mes sites Internet, et donc du coup, bon, là, il y a eu un bug, mais je pense qu'avec ça, il va pouvoir dire que tiens, il y a une formation sur le business WhatsApp, on a une formation aussi sur la publicité Facebook et YouTube, et donc ce genre de réponse-là, il n'aurait pas pu l'avoir, je pense, si je posais, si je... On va faire un nouveau chat, hein. On va juste voir la différence. Quelles sont les formations de Vincent Lévy? Voilà, on a vraiment un très très bon exemple entre une réponse basée comme ça, où il n'a aucune idée, et puis une réponse de Google sur laquelle il va aller prendre ce qu'il a trouvé sur les résultats de Google, il va résumer ça dans un petit paragraphe. Et donc du coup, cette extension peut être vraiment, vraiment pratique. Donc voilà, le lien, vous le trouvez dans la description. Voilà, chaque semaine, je teste des nouveaux outils, des nouvelles extensions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de choses qui ne sont pas encore vraiment au point, mais les meilleures extensions, eh bien, je vais en faire des vidéos, les meilleurs outils, je vais en faire des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, j'ai aussi un guide avec les meilleures intelligences artificielles à utiliser dans votre business en 2023. Le lien est ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.